Je m'appelle Moni Dabou Achille. Je viens du Congo Kinshasa. J'ai été parmi le bateau qui a chargé depuis la nuit du 17 et 18 août 2013. Si on venait venu se retrouver au niveau de la Tunisie. Et puis on était quitté en Libye, depuis Tadjoura en Libye. Parce que c'était par connexion, on a payé 1 500 $. Et puis l'arabe nous prend et puis nous garde une maison. Il nous a gardé une maison pendant 4 jours. C'était très pénible. Très pénible parce que 4 jours, il nous bastonne, on doit pas bavarder pour que les autorités n'arrivent pas. On enlève les ceintures parce qu'on n'a jamais de ceinture, nous tout ça. Parce que vous allez voir tout ce qu'il y a en fait. Il nous faut enlever cela. On enlève cela, on coupe cela, on coupe. Nous bastonne, il nous faut arranger. On voyage avec aucun sac. Avec rien, rien. On ne peut rien apporter. Il ne veut rien, il veut juste les gens. Et puis, dans la nuit du 16, il nous a abandonné au bord du rivage. Il y avait déjà un bateau qui était stationné, il y avait tout ce qui était dedans, il y avait de l'eau, il y avait du pain. Puis on s'est mis à monter en courant, tout le monde, il dit vite, vite, fais ça, il dit fais ça, et puis on monte en courant, le bastonne, on monte en courant. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé déjà sur l'eau, et puis on n'avait pas de capitaine. Ce sont des responsables, des gars avec qui, pendant qu'on était au camp, les gars qui sont prêtés volontaires à pouvoir naviguer, il les expliquait des petites choses avec la boussole qu'on avait, avec il nous explique des petites choses, tout le monde, tous ceux à qui il arrive tout auprès, des gens qui voient d'âge mûr, qui peuvent comprendre, il les explique comment il faut utiliser le manœuvre, comment il faut manœuvrer, comment il faut utiliser chaque chose dans le bateau, comment il faut utiliser le bateau, comment il faut naviguer. C'est comme ça que le monsieur nous indiquait chaque chose qu'on devait faire. Mais on a essayé de naviguer jusqu'au premier. Toute une nuit, parce qu'on est quitté environ de 22 heures le territoire libyen. On a quitté la Libye Tadjoura à 22 heures. À 22 heures, parce que lorsqu'ils ont appelé la dernière prière, c'est là où on a fait toute la cérémonie. C'est là où on a fait toute la cérémonie. Donc on est quitté au niveau de 22 heures, on est entré dans la mer et puis on s'est mis à partir. On a fait toute une nuit, malgré que lorsqu'on quittait Libye, le climat c'était très apaisant, le bateau ne bougeait pas trop, mais au niveau, lorsqu'on allait un peu plus loin, lorsqu'on a plus vu les lumières de la Libye, le bateau s'est mis à bouger beaucoup. Oui, le bateau ça balançait un peu trop, ce qui a fait qu'il y a eu trop de panique, parce qu'on se disait que peut-être c'est pas équilibré, peut-être c'est mal équilibré, donc il fallait que les gens se redressent au fur et à mesure. C'est ça qui a causé beaucoup de troubles dans notre bateau, ce qui a amené trop de discorde. Il y avait des gens qui ne voulaient plus obéir. Tout le monde ne voulait plus obéir, tout le monde était là stressé parce qu'on ne voyait plus de lumière, on ne voyait plus nulle part. Et puis les gens sont mis à balancer dans le bateau. On se disait que peut-être le gars qui était de comprendre le mieux ne pouvait plus s'en sortir. Ça a causé trop de panique parce que tout le temps on demandait de bouger, d'aller à gauche ou à droite, que le bateau peut chavirer. Il y avait des vagues et puis ça balançait énormément. Ce qui fait en sorte que c'est de là qu'on s'est rendu compte que même la direction qu'on devait prendre, on ne pouvait plus prendre. Il s'est mis en tournant rond sur l'eau. Tout le monde a encore été trop pris de panique parce que lorsqu'il tournait en rond, tout le monde se demandait qu'est-ce qui allait. Et on ne pouvait pas savoir parce que tellement c'était long. On ne pouvait pas se déplacer, on était serré. Tu n'as pas le droit de t'élever pour aller devant l'autre parce que c'est serré. Il n'y a pas d'espace pour marcher. Et puis, tout le monde était nombreux. On était agroupés et tout se passait à l'arrière. On ne pouvait pas savoir réellement ce qui se passait, mais il y avait déjà une panique qui était déjà là parce qu'il tournait en rond au-dessus de la mer. Il s'est appelé Ovalé. C'est de là où on a vu une raffinerie. Des raffineries qui ont du feu dans l'air. C'est là où on a perçu cette raffinerie. Et puis on s'est dit, bon, peut-être cette raffinerie, c'est Lampedusa, parce qu'après avoir navigué toute une nuit et une journée, après avoir navigué toute une journée, d'après ce que l'arabe nous avait dit en Libye, on se disait qu'il nous a dit que c'est 10 heures de navigation pour que nous arrivions en Italie. Bon, lorsque nous avions navigué une journée, une nuit, on était déjà le lendemain, le 17 août, on était déjà au 18 août, à 20 heures. On savait qu'on est déjà presque arrivé à Lampedusa. Mais notre boussole ne tenait plus. Donc lorsqu'on a aperçu cette raffinerie, on a eu un éclat de souffle, on avait vu quelques dauphins qui ont sauté. Peut-être, on ne sait pas, mais on s'est dit aussi, ayant vu des dauphins, peut-être c'était déjà mieux.
lorsque les deux fonds aussi balancés, on s'est dit, bon, c'est mieux. Et lorsqu'on a vu les raffineries, on s'est dit, il faut qu'on se dirige vers les raffineries. Et lorsqu'on se dirigeait vers les raffineries, c'est là où on a eu le grand coup, notre bateau a percuté le sol. Lorsqu'on a percuté le sol, ça s'est coincé dans le sol. Et puis, on se disait que les autorités, peut-être c'est Lampedusa, on s'est mis à tourner nos habits dans l'air, on s'est mis à crier. Mais on ne voyait pas d'aide, il n'y avait pas de secouriste qui arrivait. On ne savait pas là où on était, il n'y avait aucune aide qui arrivait. On s'est mis à crier, tout le monde criait au secours, tout le monde criait fort, sachant que peut-être qu'il y a un bateau de loin, parce qu'on voyait des maisons, mais on se disait que c'est Lampedusa. Et quelque part, on se doutait aussi de passer à Lampedusa. Lorsqu'on arrive, on savait que l'hélicoptère va arriver le plus tôt possible. Mais on ne savait pas exactement ce qui se passait. On a fait presque 3 heures du temps. Et puis on a vu ce pêcheur que Dieu nous a envoyé pour nous rescourir, pour nous secourir. Ce pêcheur qui passait en criant, en agitant nos vêtements. Le monsieur arrivait vers nous. Quand il est arrivé, il s'est mis à parler en arabe. Lui, on lui a dit que le bateau était en train de prendre de l'eau. Parce qu'on a percuté le sol. En croyant qu'on est arrivé à Lampedusa, on a percuté le sol. Et puis le bateau est en train de prendre de l'eau au-dessous. Et puis ça me fait paniquer. Il n'y a plus de coordination. Personne ne veut obéir à son voisin. Tout le monde se bagarre dans le bateau. Tout le monde se crie dans le bateau. Personne. C'est terrible. Tout le monde a perdu son sens de maîtrise. Tout le monde ne peut plus comprendre l'autre. C'est là où le monsieur est arrivé la première fois. Il a essayé de nous faire sortir. Il nous a tiré le pêcheur tunisien. Le pêcheur tunisien a essayé de tirer notre bateau. Il a essayé de tirer notre bateau. Il n'a pas pu. Tout le monde a sauté dans l'eau. Tout le monde s'est déshabillé. Tous les garçons, ils ont sauté dans l'eau parce que le niveau de la mer était déjà. On a demandé les gens qui pouvaient nager, ceux qui savaient nager, qu'ils soient en volonté de sauter dans l'eau, qu'ils aident le bateau tunisien à nous sortir de là où on était. Parce que le bateau prenait l'eau, mieux vaut qu'on sorte de là et que tout le monde descende et puisse entrer dans le bateau du pêcheur. C'est ce qu'il voulait faire. Mais de là, personne n'a pas pu sortir du bateau de là. Parce que le pêcheur voulait qu'on sorte de là et qu'on monte un peu plus haut. Là, il va pouvoir escourir les gens pour que les gens descendent dans le bateau. On n'a pas pu sortir de là. Il est parti. Il nous a partagé un peu de pain, un peu d'eau. Ce qui a encore causé encore une grande panique. Parce que lorsqu'il versait ces quelques bouteilles d'eau, les gens se bagarraient encore plus pour pouvoir boire de l'eau. Parce qu'on avait déjà fait au moins 5 jours sans boire de l'eau. Le temps qu'on a passé dans la maison où l'arabe nous avait enfermé à Libye et le temps qu'on a passé sur le bateau, les 2 jours qu'on a passé sur le bateau, il n'y avait plus d'eau. Les provisions étaient déjà terminées. Et c'était déjà terrible. C'était déjà terrible. Il y avait des filles qui s'agonisaient déjà là, qui ne savaient plus quoi faire. C'était déjà en train de pisser sur eux. Ils n'avaient plus maîtrise, ça va. Il ne savait plus ce qu'il pouvait faire. On est resté là, le monsieur est parti. On est descendu dans l'eau. On a essayé de pousser le bateau, ceux qui savaient nager. Moi, je suis descendu dans l'eau. J'ai poussé, on a poussé tous, on a essayé de pousser le bateau. Le bateau, ça n'allait pas. Le bateau prenait l'eau. Il y a d'autres qui sont mis à relayer. Ceux qui ne savaient pas sont relayés, ils entraient dans les machines et puis ils prenaient de l'eau pour verser à l'extérieur. Ils versaient à l'extérieur de l'eau. Jusqu'au moment où le pêcheur est encore revenu. La deuxième fois, il est encore revenu en nous disant qu'il va chercher notre bateau. Que nous disons, on va chercher notre bateau pour pouvoir nous secourir. Il y avait les Syriens dans le bateau, il y avait les Bangladesh, il y avait des gens du Bangladesh, il y avait les Nigériens, il y avait les Libériens, il y avait beaucoup de nationalités. Il y avait aussi des Marocains, il y avait aussi, je crois, 2 ou 3 Marocains qui étaient là. Mais comme c'était des gens de couleur blanche, on ne les approchait pas, du moins on ne connaissait pas trop la différence. On sait, il y avait les Syriens qui étaient aussi là. Il y avait tant de nationalités. Jusqu'au moment où, vers 23h, 22h30, le bateau tunisien, le pêcheur tunisien est revenu. Les vagues montaient. Le niveau de la mer avait grimpé encore. Dans la nuit, le niveau de la mer avait grimpé. Et notre bateau s'est mis à basculer un peu, ça agitait un peu, ça agitait de plus en plus. Le moment qui nous a pris trop de panique, lorsqu'ils sont arrivés, le bateau, la marine tunisienne est arrivée, il y a eu plus de panique. Il y a eu plus de panique parce qu'avec les vagues de la marine tunisienne, notre bateau s'est mis à bouger énormément, ça balançait les grosses vagues, la marée tunisienne a secoué tellement le petit bateau où on était, de façon qu'il y a eu toute panique, les gens criaient, tout le monde voulait sortir du bateau. Et puis la marine ne pouvait pas prendre tout le monde dans un seul moment. Et tu vois les vagues qu'ils ont apportées, ça a trop balancé le bateau jusqu'à ce qu'il y a eu toute panique, les gens criaient partout, les gens criaient. Mais Dieu soit loué, personne n'est tombé à l'eau. Du moins, il y a juste eu un gars qu'on a oublié dans le bateau, mais lui, quand il a été secouru par le fil. Parce que il dit qu'il dormait en dessous. Il n'a rien compris depuis peut-être presque une journée. Il n'a rien compris. Ce qui fait que lorsque le bateau a chavira après, c'est là où il a retrouvé que l'eau était encore sur lui.
Et il s'est mis à crier, on a juste lancé une corde et puis on l'a rescoué. Dieu soit loué, franchement, il n'y a eu personne qui est resté dans l'eau, dans notre bateau, parce que d'autres bateaux, comme avant, on a appris qu'il y a les 145, bon, il y a des gens qui sont restés. Dieu soit loué chez nous. La marine tunisienne nous a aidés. Ils sont arrivés, ils nous ont aidés énormément. Surtout le pêcheur, moi je rends grâce surtout au pêcheur qui nous a vraiment donné ce coup de main. Parce qu'il est parti, il est revenu à trois reprises. Il a même voulu remettre notre compas, notre. Parce qu'on lui a demandé s'il pouvait remettre notre boussole en marche et nous diriger vers là où nous pouvions aller le plus vite possible pour que nous soyons rescourus. Il nous a dit qu'il pouvait, mais le problème c'est qu'on ne pouvait pas sortir. Qu'il pouvait nous aider jusque-là. Vraiment, ça a été vraiment très, très tragique. Nous remercions quand même, ils nous ont aidés. Le 17-18, ils nous ont amenés ici en Tunisie. La marine nous a pris dans la nuit vers 23h. On a conduit toute une nuit. On est arrivé ici le lendemain matin. On est arrivé en Tunisie le lendemain matin. Les autorités tunisiennes nous ont fait des reconnaissances de nom, nos pays. Ils ont appelé le HCR. Ils nous ont enregistrés. Et puis, ils nous ont demandé d'attendre que les procédures devraient continuer. Et puis, ils pourront tout faire pour nous aider, pour que chacun rentre chez lui. Ben, c'est juste grâce à Dieu que nous sommes encore en vie. C'est juste ce que moi, je peux. Nous sommes arrivés, nous disons juste grâce à Dieu, merci, c'est tout. C'est vraiment la meilleure des choses que nous pouvons encore voir, la vie qu'on a aujourd'hui. Quoi que nous soyons, où que nous soyons, mais nous remercions Dieu pour la vie qu'on a déjà. C'est majestueux.